Bonjour, bienvenue ici. On est exactement, on est à Crans-Montana, à la cabane des Violettes, à 2209 mètres d'altitude. Et ça fait déjà quasiment 145 km qui ont été parcourus depuis le départ lundi 21h au Bouvray. Et j'ai la chance d'être avec un homme très occupé en ce moment. Julien Beaufray, qui est le créateur, le fondateur, hein, qui dirige le SwissPix et qui s'est lancé avec ses équipes dans cette aventure un peu incroyable de ce 660. Hein, on est avec vous, c'est le troisième épisode. Donc là, on va repartir en live pour 45 minutes. Vous allez voir des images qui ont été faites un peu avant ce matin du côté de l'hôtel de Sanetsch. On aura aussi des images de bénévoles, les féminines aussi, des images au cœur de la course de nos cam trailers. Et puis on va commencer déjà par faire un point avec toi, Julien. Je l'ai dit, on est aujourd'hui au troisième jour de course. Ils sont partis, ils étaient 100, plus de 160 à 21h du Bouvray. Là, on est à peu près au 55e kilomètre. Comment ça se passe? Comment ça va? Ça se passe globalement très bien. Ben voilà, on a déjà une météo qui nous a vraiment aidé. On sait que pour une première édition, on a toujours des petites améliorations à faire. On a besoin d'être réactif. On a ça à cœur. On avait prévu d'être organisé, mais d'être agile ensuite au niveau de notre stratégie. Et si la météo nous met à mal et nous fait déjà utiliser toutes nos ressources pour maintenir le confort, c'est déjà beaucoup d'énergie pour nous. Donc le fait d'avoir cette météo, c'est vraiment super. On a pu réagir comme il fallait. Par exemple, pour ce soir, ben on savait pas du tout combien de coureurs arriveraient où à quelle heure. On a essayé de leur demander, mais on n'a pas eu de réponse parce que eux-mêmes les avaient pas. Donc ce soir, ben on avait cette tension, typiquement cette cabane qui à la base est prévue pour une trentaine de personnes, un peu plus de 30 personnes. Ben, ce soir, on doit en avoir une soixantaine qui passeront la nuit ici. On ne sait pas non plus s'ils vont dormir 1 heure, 2 heures, 5 heures, 8 heures. Donc voilà, on a besoin de beaucoup d'agilité. Et voilà, cette météo, l'efficacité de toutes nos équipes, les bénévoles toujours aussi incroyables et les lieux qui nous accueillent, il faut vraiment préciser, hein, quand on a des accueils comme ici à la On va cabane. recevoir Pierrot, son gardien, Ouais, tout à l'heure. c'est super. Grâce à ces gens, en fait, j'ai presque envie de dire qu'on peut tout se permettre et c'est toujours cool. Ouais, parce qu'avant de revenir sur vraiment la règle du jeu, j'allais dire de 660, déjà comprendre, c'est une caravane de 160 coureurs, coureuses qui se déplacent là, qui font le tour du Valais, qui font 660 km. Et donc effectivement, tu l'as dit, il faut les loger, il faut les accueillir, il faut toujours être là, il faut les sécuriser aussi. Donc c'est quand même une organisation, une logistique derrière ça extrêmement importante, imposante, développée par SwissPix, par tes équipes. Oui, mais la première chose, c'est la nourriture, hein. On ne peut pas demander aux gens de faire un effort comme ça. Et d'ailleurs, on le leur a promis, hein, qu'on allait les encadrer correctement. Et la première chose, bah, on a vu que dormir, ils sont pas trop exigeants. Ils n'ont pas beaucoup envie de dormir. Et c'est étonnant, hein, d'ailleurs, vu le concept de cette première semaine, je suis surpris de voir qu'ils veulent pas plus dormir que ça. Mais manger, boire, ça, c'est vraiment primordial. On ne sait pas forcément, quand on débarque dans certaines régions, qu'est-ce qu'on va trouver comme eau dans la montagne. C'est un gros sujet. Le Valais, il y a énormément de microclimats et de zones différentes. Quand on est dans la partie début de course, c'est des zones qui sont plus humides. On retrouve assez facilement des fontaines, des torrents pour se ravitailler. Quand on arrive dans le secteur haut-valaisan, je vous cache pas, on a un endroit, on a un point d'eau dans un village. J'ai fait le tour du village pour chercher des fontaines, il n'y en avait pas, j'ai pas trouvé. Donc pour finir, c'est un super habitant de la commune là-bas qui a dit: mais oui, mais moi je vous mets un robinet au bord de la route, on met un panneau et Génial. ils pourront se servir à son robinet dans la maison. Mais c'est des petits détails. Quand on demande tout à coup aux coureurs alors là, il y a 40 km à peu près entre chaque point de ravitaillement, c'est pas un problème pour manger. Par contre, pour boire, ça peut devenir compliqué. Surtout qu'il fait relativement chaud, la Il fait météo est chaud, hein? clémente, Il fait chaud. c'est positif aussi, mais effectivement, il faut s'hydrater. Il fait chaud, le secteur Valais central est beaucoup plus ventilé en fond de vallée. On a beaucoup plus de vent de vallée, comme on dit. Et il faut savoir qu'on est obligé, par la topographie, par les districts francs qu'on doit éviter, à redescendre sur un secteur d'une quarantaine de kilomètres. On redescend très bas dans les vallées. Aujourd'hui, bon, j'ai pas regardé le thermomètre, mais dans les fonds de vallée, c'est pas loin de 30 degrés, je pense, hein. Tout à fait. Donc voilà, le lot devient vraiment super On est pas important. mal à 2000 mètres justement. Alors, C'est très bien. on le disait, tu nous l'as déjà, mais rappelle-nous la règle du jeu. Alors, on connaît SwissPix, le 360. Ok, il y a un chrono. Ça part en Haut-Valais, à Oberwald. Ça descend jusqu'au Bouvray en 3 jours, 3 nuits pour les meilleurs. Une semaine pour un peu tout le monde.
Et là, l'idée, c'était de rajouter 300 km, mais il n'y a pas un chrono qui démarre au Bouvray pour pas faire un truc complètement fou. Néanmoins, c'est une vraie course. Dis-nous, raconte-nous comment ça marche, la règle du jeu. On nous l'a reproché, en parenthèse, et c'est intéressant. On a un ou deux coureurs qui ont voulu sortir du jeu avant le départ en disant: Ah non, non, moi je veux une course non-stop, avec un chrono du début à la fin. Ok, nous on le fera pas. Franchement, je crois qu'on le fera jamais. L'idée, c'était vraiment de les laisser en off sur la première partie, aussi pour la simple et bonne raison qu'on voulait regrouper tout le monde à Roberval. Nous, il faut comprendre, ça, j'insiste toujours là-dessus. Notre idée, c'est que sur cette 360, on parle d'une semaine de course, on parle de postes qui durent jusqu'à 4-5 jours. Pour nous, c'est un peu la durée maximale de ce qu'on arrive à assumer comme poste en maintenant quelque chose d'humain, de sympathique et de qualitatif à tout Poste point de vue. ravito, base de vie, c'est ça Voilà, dont tu parles. tous ces points confondus, peu importe lesquels ils sont, on veut la qualité, on veut vraiment de l'accueil, on veut des bénévoles contents, parce que vous pouvez pas dégoûter vos bénévoles sur une édition de la course, parce que l'édition prochaine, vous la faites pas. C'est le cœur de la course, c'est vraiment pas juste pour leur lancer des fleurs, c'est vraiment ça, le SwissPeaks, c'est les bénévoles avant tout, et je le dis aussi souvent, avant les coureurs, c'est vraiment nos bénévoles. On va les voir tout Donc, à l'heure, on a un sujet spécifique en plus, justement. voilà. Donc là, nous, pour ça, c'est vraiment important. Et donc on veut que cette deuxième semaine reste semblable au niveau de la durée. Et pour faire ça, le seul moyen, c'est de regrouper tout le monde à un moment, les faire monter avec un chrono, une pause, redescendre avec un chrono, c'est quand même compliqué au niveau logistique. Et le côté stratégique qu'a mené cette gestion de la première semaine, et d'ailleurs c'est impressionnant parce qu'on connaît le coureur, on connaît les têtes d'affiche, on sait les gens qui se battent pour la victoire, et on en voit autant être en permanence en tête, mais on en voit qui traînent derrière. C'est ça qui est intéressant parce C'est que ça. tu l'as dit, il y a du lourd, il y a du casting, on va en voir Ah, il là, y a vraiment, c'est impressionnant. vraiment. Et puis il n'y a pas de chrono, mais on sent qu'il y a une stratégie de course, il y a vraiment la stratégie de sommeil, la gestion de la course. À quelle heure j'arrive justement à Fitch avant Oberwald? Est-ce que je me repose suffisamment longtemps ou pas? Et chacun a fait sa course. Et je me Donc sans demande, chrono, il y a quand même une course, on le voit très mais bien. complètement, et je me demande vraiment, tu dis il y a une stratégie de course pour chacun, mais est-ce que vraiment ils ont réussi à garder leur stratégie? Parce que c'est difficile quand on est sur une course, on a un dossard et on voit partir le copain et on se dit non, 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 moi je vais tranquille, la première semaine je me repose. Et je me demande, ça sera intéressant et on verra la deuxième semaine, hein, si les choix ont été justes, s'ils ont pu respecter leur stratégie. Et puis c'est un apprentissage pour tout le monde, hein. Je veux dire, là, on a des ultra, ultra, ultra trailers, mais 660 km, voilà, c'est évidemment une première. Donc cette première semaine, c'est un apprentissage pour eux aussi. Complètement, et en gros, les deux stratégies qu'on a, c'est assez clair. C'est je vais doucement, je dors la nuit et je me déplace la journée, et j'arrive le plus tard possible à Fieschs pour avoir des nuits complètes. Ou alors je vais le plus vite possible jusqu'à Fieschs, et comme ça, je peux me prendre 2 jours de repos tranquille à Fieschs avant de repartir. Juste, pas juste, comme m'a dit notre ami Loïc de la première base de vie d'Ovronnaï, il m'a dit bah, on saura la deuxième semaine On quelle était la saura bonne la deuxième, stratégie. on saura la fin. Voilà. Bon, ce que je te propose, on va, voilà, on est là, on est en direct jusqu'à quasiment 19h, le temps qu'il faut pour partager cet endroit absolument magique ici à Crans-Montana, à la cabane des Violettes. On va voir un reportage justement, c'était ce matin, il était un peu après, autour de 9h. Là, on était un peu plus bas, au kilomètre 116 exactement, à l'hôtel de Sanetch. Chanette, ouais. Et puis, bah voilà, vous allez voir, c'est des images qui ont été faites par Hugo Guirez. Et puis, on regarde ça 3 minutes et on revient ici ensemble avec, vous allez voir justement, on parle de la cabane et son patron qui sera avec nous. À tout de suite. Il y a un petit pavé là. Ah ouais. C'est qui? Par haut. Regardez le mètre plus haut. On voit, ça va comme une erreur. Comme la vie. Alors Florence, du coup, la dernière fois qu'on s'était revu, c'était au Bouvray pour le départ. Comment s'est passé ces 3 premiers jours de compétition? Alors déjà, le départ, il était magnifique, soleil couchant sur le lac. Ça fait déjà bien des mois que j'attendais ce moment-là, donc un moment assez sympa.
Après les sensations, elles n'étaient pas super bonnes. Première nuit, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis allée à une petite allure. Hier, je suis restée tranquille avec un copain. Et puis aujourd'hui, j'ai un peu les jambes qui me démangent. Donc, une belle journée en montagne. Donc, de belles sensations. Je me fais bien plaisir. Oui, au niveau de la température, on est pas mal. Hier, tu as pu dormir à Ouvrenas, c'est ça? Oui, 6 heures de dodo, donc presque la grasse matinée. Donc, super. Je me suis réveillée ce matin en forme. D'accord. Et tes plans pour aujourd'hui, là, tu comptes un peu te poser. J'ai vu qu'il y avait des pâtes qui arrivaient au ravito, donc je pense que tu vas en profiter de te poser un peu, non, c'est ça? Ah, j'ai mangé un plat de pâtes, oui. Et puis après, je vais repartir direct. Et puis ce soir, je dormirai à la cabane des Violettes. D'accord, parfait. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour cet après-midi. On verra. Hein. Chaque chose en son temps. Mais oui, il fait beau, la nature est belle. Donc pourquoi ça irait pas? Parfait, merci Florence. Denise, how was your last 3 days since the beginning in the Bouvray at the start? Oh, it was very great. I go with 2 colleagues and we had a fantastic time. Okay, and where did you sleep last night? In Ouvrona. Yeah. And how do you feel now and about these 3 days? I feel very good, I feel comfortable, and yes, we will see what happens in the next days. And for the next days, what's your next plan? Until to Fiesh, I hope I can take it easily and enjoy a lot. Okay, thank you. Voilà, parce qu'on voulait aussi honneur aux femmes, hein, à ces trailleuses. Voilà, Denise, qu'on connaît bien, que tu connais bien évidemment sur le Swiss Free. Mais il n'y a pas que Denise, on l'a vu. Hein, y a Florence aussi qui est là. Donc, on le disait, il y a des grands noms. Il y a pas mal de femmes qui se sont engagées aussi sur ces 660. Oui, on en aimerait toujours plus, forcément. Mais les très grandes distances, elles ont peut-être des fois plus d'humilité. Et les grandes distances leur font peut-être peur. C'était intéressant. J'ai discuté avec deux dames qui étaient dans les derniers coureurs, en tout cas les deux dernières dames, le deuxième ravitaillement à Collonges. Et elles disaient, mais est-ce qu'on a quelque chose qu'on a loupé à quelque part? Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens y vont aussi vite que ça. On ne comprend pas. Nous, on a l'impression qu'on est largement pour arriver à Fiesh samedi et puis prendre notre temps, dormir. Et on se demande ce qui se passe. Et je leur ai un peu dit que je ne comprenais pas non plus. C'était surprenant. Nous, on est vraiment surpris et ça nous a aussi un peu stressé aujourd'hui. On a dû être réactifs. Ouais, dans la logistique, parce que tu ouvres ce que tu avais prévu dans les ravitos, c'est 3 heures avant, c'est ça? Non, c'est 10-12 heures. C'est 10-12 heures. C'est 10-12 heures plus tôt. Okay. Sur la tête de course, on a une base de vie, la deuxième base de vie qu'on devrait ouvrir demain à 11h, je ne sais plus, 10h ou midi. Ouais. Midi ou peut-être même 14h, je ne sais pas, on l'ouvre ce soir déjà. Ouais. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont s'arrêter ou s'ils vont tirer jusqu'à la base de vie. Et quand on dit base de vie, on dit tous les sacs coureurs, absolument tous. Parce qu'ils sont tous chargés dans le camion, vous n'allez pas revider le camion pour sortir juste les sacs de la tête de course. Donc ce soir, il faut acheminer tous les sacs à la base de vie et les préparer, les mettre dans l'ordre, vider le camion. C'est pas anodin. Et donc on se demande, pourquoi vont-ils si vite? Nous, on les suit, on trouve ça rigolo. En tout cas, nous, à chaque fois, on va le voir là dans les images suivantes aussi, de nouveau du côté de l'hôtel de Saletsch ce matin. On le voit, ils ont franchement les yeux qui brillent et on sent qu'ils sont portés par ça aussi, les paysages absolument superbes, parce que c'est une première aussi. Hein, on le disait, on connaissait l'autre rive du Valais, hein, donc je le disais, la 360 et toutes les autres courses, parce qu'il faut en parler aussi. Hein, il y a la 360, la 170, la 100, le marathon, le semi-marathon. Tout ça partira la semaine prochaine. Et la 70. Et la 70, pardon. Ouais, et la 70 avec, je crois, quelqu'un qui s'est inscrit au dernier moment. On a des belles surprises. Je te laisse l'annoncer. Il y a Dawa Sherpa qui n'est pas des moindres et qui était déjà présent depuis... Ça fait déjà 2 mois qu'on est en discussion avec lui parce qu'il vient aussi faire un stand pour son association qui ouvre des écoles au Népal. Et puis après, on a notre surprise, la star américaine qui... Ouais. On a dû quand même confirmer avec elle quand on a vu le...
On a vu Courtenay dans les inscrits, on s'est dit... Bon, après, on a vu qu'elle était quand même bien de la région de Leedsville, hein, d'où elle vient. Et bah, effectivement, elle nous a expliqué que c'était vraiment bien elle. Mais on n'a pas compris, elle avait payé son inscription et tout. C'est une belle preuve d'humilité, c'est fantastique. Elle ne nous a rien demandé. Et pour nous, c'est un honneur mais énorme d'accueillir Courtenay sur cette course. Grande reconnaissance. Elle sera sur la 70 la semaine prochaine. Je le disais, alors elle sera sur la rive gauche, voilà. Et là, on est sur la rive droite du Rhône. Absolument. Donc, c'est un peu une première aussi, ces paysages, parce qu'on a beaucoup de coureurs qui connaissaient le 360, qui connaissent un peu moins cette rive ici. C'est une découverte un peu pour eux aussi. Oui, et puis on est sur la frontière avec le... Là, on se dirige plus direction la Suisse, hein, par rapport à la rive gauche qui est proche de l'Italie et puis ensuite la France. Là, on rentre plus dans la Suisse, on est proche des Alpes bernoises. Le climat change aussi, la météo peut aussi évoluer différemment, étant donné que le vent vient souvent d'ouest ici. Donc, le climat vient d'ouest dans cette partie de l'Europe. Donc, c'est super intéressant de voir la différence de typologie de terrain, de météo, d'accueil peut-être aussi. On s'est demandé, nous, ça fait maintenant 7-8 ans qu'on s'amuse sur la rive gauche. Est-ce que la rive droite nous en veut? Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'ils sont jaloux? Qu'est-ce qui va se passer? Et on a eu un accueil vraiment exceptionnel. Ouais. Bon, on en parlera aussi avec Pierrot qui est là après. Et ça, c'est vraiment fantastique. Maintenant, on peut comparer l'accueil de la rive gauche et droite en Valais. Donc, il faut qu'ils se donnent la peine. On va revenir justement pour l'accueil. On a fait un spécial un peu bénévole. Et puis, il y a des coureurs qui sont là, qu'on a croisés ce matin à Sanetsch. Vous allez voir. C'est ici, c'est parti. On te laisse ensuite. On accueillera justement Pierrot et on te retrouve évidemment en conclusion pour parler de la suite. Avec grand plaisir, allez, merci. On y va, à tout de suite. Ici, on est donc un ravito qui est organisé par les bénévoles dont Fabienne, tu fais partie. Tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe ici, l'accueil des coureurs, des coureuses? Alors ici, on est à l'hôtel du Sanetsch, donc un hôtel, il y a un restaurant, ce qui permet d'avoir un repas chaud pour les coureurs. Il y aura des pâtes avec une sauce bolognaise et du bouillon qu'on garde déjà au chaud là maintenant. Et puis après, il y a tout ce qui est de parties fraîches, du sucré, du salé et des boissons. Où il y a quasiment tout ce qu'il faut pour les coureurs. Et en même temps, on prend un peu soin d'eux aussi, voir si tout se passe bien jusque-là. On peut donner quelques indications sur la suite du parcours. On peut même suivre déjà les premiers qui ont passé plus haut. Donc on est à un super emplacement avec une belle météo pour les accueillir aujourd'hui. Présente-nous un petit peu l'équipe. Vous êtes combien et vous restez à peu près combien de temps? Alors là, pour ce matin, le début de la journée, on est trois. Il y a Jeuneux et Sébastien qui sont avec nous. Et puis en cours de journée, il y a du monde qui va nous rejoindre peut-être ou sur la soirée parce que le poste est ouvert jusqu'à demain matin. Il y en a... Certains pourront passer la nuit ici. Ouais, c'est ça. Il y a des lits, c'est ça, au cas où, pour dormir, pour se reposer. Normalement, c'est ça l'idée. Après, ça va dépendre du passage avant Derborance, vu qu'on sait que de Derborance jusqu'à ici, il y a une zone qui ne peut pas passer la nuit. Donc, ils seront arrêtés au plus tard à 20h, 20h30 ce soir à Derborance. Alors, c'est une première pour toi ici, Fabienne, d'être bénévole sur le SwissPeaks. Comment tu trouves justement cette course, ce début de course, cette première semaine? Alors, première semaine, je suis là que depuis ce matin, donc, mais ça se passe bien. On a pu installer notre stand. Heureusement qu'on a eu un peu d'avance parce qu'ils sont rapides, ces coureurs. Mais effectivement, c'est une première édition. Et puis, on va voir au fil de la journée comment ça va se passer. Eh bien, bon courage et puis merci beaucoup pour votre engagement, parce que c'est grâce à vous que SwissPeaks se passe très bien. C'est grâce à vous que ces coureurs repartent avec le sourire. Merci beaucoup et puis bonne journée alors ici. Merci pareillement et merci de votre présence pour suivre tous ces coureurs et nous les bénévoles. Bonne journée à vous. Alors, comment ça se passe? On est ici, donc... à 2000 mètres d'altitude, vous êtes parti à 4 heures. Nous, on est parti à 4 heures de l'hôtel, enfin de Ouvrenaz. Voilà. Ouvrenaz. Ouais, ouais. Écoute, on est passé à 6 heures au col. On a eu le lever de soleil dans la descente. C'est sublime. Et puis là, ce qu'on vient de faire, là, c'est le plus beau qu'on a fait depuis le départ, quoi. Je connaissais pas le col Sanetsch. Wow, c'est des belles dalles. On a eu 4 bouquetins. Arrivé là-haut, des beaux passages techniques pour y monter. Petit glacier, oh, tout parfait. Là. Tout parfait, un peu, il commence à faire chaud, moi j'aime pas ça, mais en plus, voilà, on est tous les trois, on discute. L'avantage du format, tu vois, c'est qu'on est un peu, en dedans, tu vois, on gère, donc ça permet de contempler, de discuter, tout bien, quoi. T'as l'air à ton rythme, c'est ça? Tu trouves ton rythme petit à petit? Quel est l'objectif là
pour Fitch et Oberwald? Ouais, écoute, l'idée c'est de prendre du sommeil. J'avais dormi 3 heures à Trois Torrents, de faire une super nuit parce que j'aurais pu pousser, mais je trouvais pas ça pertinent pour moi en tout cas. Là aujourd'hui, on devait faire que 60, mais autant on va pousser parce qu'on avance bien. Écoute, l'idée c'est d'arriver le plus frais possible vendredi, quoi. J'avais prévu vendredi soir, mais si c'est un peu plus tôt, pourquoi pas. Mais l'idée c'est vraiment, tu vas profiter de la montagne. Puis d'essayer d'être au départ dimanche matin, comme si de rien n'était, quoi. Et ben on va te laisser te ravitailler, bravo à toi. C'est Julien, toi, toi. Là, c'est le premier que vous soutenez. Oui. Mais c'est pas grave. Pas non, on est là pour vous aider. Alors, ça aussi, ça commence en 7. Salut Aurélien, t'es arrivé avec Sébastien, avec Paul, là, ici. Comment ça se passe? Ben nickel, hein. Bon, faut les supporter quand même sur la montée, c'est pas évident, mais non, je rigole, en vrai, justement, on rigole, c'est facile de partager ça avec eux, et en plus, le paysage, c'était incroyable, là, le col de Saint-Netch, donc super, ouais. Paul, c'est bien d'être avec Sébastien, Aurélien, de faire la course tous les trois. Ouais, franchement, c'est bonne ambiance, c'est des gros blagueurs, et après, ouais, la course, c'est magnifique, les paysages sont sublimes, on en prend plein les yeux, rien à dire, c'est parfait, quoi. Ton objectif un petit peu là sur les 2 semaines de course, comment tu vois les choses dans les jours qui viennent, cette première partie de course et puis la deuxième ensuite? Déjà arriver à Fitch en vendredi pour après me poser un bon jour et après le départ pour la suite, je sais pas du tout, vraiment on verra jour après jour, kilomètre après kilomètre. La victoire, il nous l'a dit tout à l'heure, hein. Il cherche la victoire. Merci beaucoup à tous les trois et puis bonne continuation, à tout à l'heure. Mais là, on ne trouvait pas de finir par contre. Fais gaffe, ouais, c'est chaud. Ça, c'est pour faire la sieste après. Là. Ouais. Non, mais parce que là, qu'est-ce qu'ils ont vu Avec Aurélien, on le coach, on le brief pour qu'il crée la soirée. Voilà, c'était ce matin aux alentours de 9h à Saint-Netch, un peu plus bas. Et là, on est ici, cette fois au 145e, 149e kilomètre, je ne sais plus exactement. Ouais. En tout cas, on est à 2209 mètres d'altitude, à Crans-Montana, ici à la cabane des Violettes, avec son patron qui nous accueille, qui accueille le Swiss Peaks pour la première fois, évidemment, et puis tous ses coureurs. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir ici. Et peut-être nous présenter un petit peu où nous sommes ici dans cet endroit absolument sublime. Alors c'est déjà un grand plaisir de vous accueillir. Alors c'est la première fois. D'habitude on la regarde depuis ici, ça fait loin. Les coureurs sont pas très grands sur la 360, mais ouais. Cette année on était sur le parcours par hasard et Julien nous a contacté si on était d'accord de jouer le jeu. Alors évidemment on a dit oui parce qu'on trouve ça très cool de participer à un événement d'une telle ampleur. Et voilà, on est une cabane, c'est une cabane du club alpin suisse. Ok, d'accord. Qui était là avant que les installations de ski existent. Ok, d'accord. Okay. Elle était construite en 1943 et les installations datent du milieu des années 50. Ok. Donc avec des pistes à côté, on travaillait plus comme restaurant que comme cabane, mais on a quand même 25 places pour dormir et puis tous les jours des gens qui dorment. Hiver-été ou la cabane, hiver, c'est que l'été? Hiver-été, oui. D'accord. On travaille plus en hiver avec les pistes de ski. Ah oui, d'accord, ok. Les gens peuvent rester dans la cabane ici. Voilà. Et puis surtout en restauration la journée. Il y a une cabine qui va plus haut qu'ici, donc gens n'ont pas là. Forcément, les alpinistes n'ont pas le besoin de dormir ici. D'accord. Mais on a souvent, c'est une cabane, surtout pour une première expérience dans une cabane, en famille, des anniversaires. Ouais, puis on voit, il y a quand même une restauration dont peuvent profiter d'ailleurs les coureurs qui passent ici. Voilà, vraie carte, il y a un vrai menu, une vraie restauration. Exactement. C'était le but. Ça fait 13 ans qu'on a cette cabane avec mon ami Franck Reynaud qui a deux restaurants en station et qui est étoilé Michelin. D'accord, ok. Donc on ne fait pas de la restauration étoilée, mais on a décidé de faire cette cabane comme nous, on aime. Okay. C'est-à-dire des choses simples mais bonnes. Et l'endroit où si on va dans un restaurant, on va skier entre copains, on a envie de trouver le bel endroit où on a envie de traîner jusqu'à la fin de la journée quand on a skié le matin et après on a envie de rester là. Ouais, donc c'est ce qu'on a essayé de reproduire ici.
Et puis c'est sympa, l'ambiance est sympa, on peut en juger là. Alors on n'est pas l'hiver, c'est l'été, mais néanmoins, alors on a vu, il y a des gens qui viennent, qui peuvent monter avec le télécabine des Violettes pour la journée. Et puis il y a pas mal de randonneurs aussi. Il y a beaucoup alors de il y a beaucoup, on est sur la, c'est une étape du Tour du Vichetroubel. Ok. Donc on a pas mal de randonneurs, on fait à peu près les nuitées, on fait environ 50% l'été, 50% l'hiver. Alors on va te voir sur les images tout à l'heure accueillir les premiers ici, c'est nouveau, voilà, là on a vu Julien nous l'expliquer, une gestion aussi des lits où justement tu as transformé ton dortoir de 25, tu as trouvé une salle à côté pour en accueillir 35 de plus, c'est ça aussi de participer au Swiss Peaks pour la première fois et pour cette première. Voilà, je pense qu'on a l'habitude de travailler dans l'urgence, donc là on était demandé le self-service du restaurant d'à côté. Et puis nous l'ont mis à disposition avec plaisir. Alors on a monté des lits pour accueillir plus de monde. Et puis avec la vitesse des coureurs, on risque d'avoir beaucoup de monde ce soir. Alors on va pas arriver à passer la nuit au micro. En tout cas, quel regard tu as avant de te laisser justement repartir sur ces coureurs qui vont faire 660. On t'a vu tout à l'heure assez à la fois émerveillé puis un peu voilà dans me disant mais qu'est-ce qu'ils font. Non mais c'est exactement ça, mais c'est surtout de l'émerveillement parce que de voir des gens qui ont couru 150. Alors moi je suis pas j'aime pas trop la course à pied mais de voir des gens qui font 150 km et qui arrivent ici avec le sourire jusqu'aux oreilles en étant frais ça m'hallucine. Avec derrière encore 500 à faire. Voilà, ils ont fait le quart de la course et ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Bon, heureusement pour eux parce que j'imagine que les derniers qui vont arriver seront peut-être un petit peu moins souriants. Mais ça m'impressionne d'être dans un état de fraîcheur comme ça après 150 km. Et ben on va voir justement un sujet qui a été fait depuis ici ce matin, donc depuis la cabane ici. C'était là avec ton accueil. Un sujet qui a été réalisé et monté par notre réalisateur que je salue, Hugo Congalves, qui est avec moi, qui est à quelques mètres d'ici, qui a pu profiter aussi de la croûte au fromage sur la terrasse. Bon choix. Donc voilà, salut, merci encore. Et puis à très vite merci pour votre visite. Et puis bon courage pour cette soirée d'hôtelier. Je pense que ça va être difficile. Allez, on a le sujet et on revient ici avec Julien. Salut à toi. Bonjour Nicolas, bravo. Donc on arrive ici, on est à Crans-Montana, oui. Ici à la cabane des Violettes. Exactement, ouais, content d'y arriver là, la journée se passe super bien, on a vraiment un rythme tranquille, donc on progresse doucement, pour l'instant c'est idéal. Donc on t'avait laissé il y a 24 heures, tu étais dans l'autre vallée, raconte-nous un peu là, donc tu t'es reposé, tu as pu dormir et tu es reparti tôt ce matin on imagine. Exactement, donc on a dormi à Derborance, au milieu de la zone qui est, pour laquelle on pouvait pas traverser la nuit. Ouais, de protection animale. Exactement, oui, tout à fait. Et donc on est parti ce matin à 6h, dès que le jour s'est levé. On était un groupe de 7-8 coureurs à partir à peu près en même temps. Et là maintenant, on a progressé vraiment tranquillement, on s'est arrêté manger avant à la cabane des Odanes. Et voilà, je pense que beaucoup d'entre nous, on va dormir à Albinen ce soir. La base de vie, encore 40 km à faire après Albinen, sans possibilité de couchage. Donc ça fera arriver dans la nuit, on a encore bien le temps, on est largement dans les délais. Super, bravo, le reste arrive. Bon courage. Merci. Comment ça va? Tout va bien? Ça va pas mal, ouais. Je pense que ça fait chaud, mais... Ok, sinon, vous êtes une bonne équipe là? Ouais, on gère bien là, c'est cool. D'accord, ça fait plaisir. Ok, un Genevois, un Valaisan, un Irlandais et un Grec. Ouais, la totale. C'est Swiss Peaks. C'est ça, c'est fabuleux. Bon, tout va bien pour l'instant. Ouais, la classe. Ok, super. Merci à vous. Bravo. Merci. Belle course, il fait du beau temps et les bénévoles sont très bien. Ouais. Beau paysage, tous vallées. Ah, beau paysage, oui. Vous connaissiez un peu? Oui. Chaque année, on court en Suisse. Quelques parcours, so. Ouais. En juillet, j'ai couru le Crossing Switzerland. Okay. Et après les Swiss Peaks, j'ai fait le Tour de l'Acier. Ok. Bon courage, bon repos. Merci. Parfait. Voilà, on est ici tous les trois à la cabane des Violettes à Crans-Montana.
Alors Damien qui vient d'arriver, hein, donc qui court sur la 660, nous dire un petit peu où tu en es, comment ça se passe. 145e kilomètre, si je ne dis pas de bêtises, quasi 12 000 mètres. Ça va bien, pour l'instant c'est de la gestion. On va essayer de se préserver un maximum pour la semaine prochaine. Et puis l'idée c'est de finir, pas de résultat de prévu. Le but c'est vraiment d'arriver au bout, c'est l'expérience quoi. Et de rattaquer, parce qu'on sait, l'année dernière, tu avais fini 10e, je crois, du 360. Donc là, tu t'es rallongé 300 km de plus, pardon. Et l'idée d'essayer de faire quand même un top 10, si possible. Si j'y arrive, tant mieux. Sinon, je ne me mets pas de pression avec ça. D'accord. Le plaisir avant tout. Et puis, généralement, quand il y a du plaisir, le résultat va avec. Donc, voilà. Alors, il y a le plaisir et puis il y a aussi une cause pour laquelle également tu cours. Peut-être présenter, justement... C'est pas impossible. Oui, alors déjà, c'est pas impossible qu'il nous épate, hein, encore une fois, parce qu'il est très modeste, mais voilà, on est super fiers de lui. Effectivement, Damien porte sur la Swisspix les couleurs de C'est pas impossible, une asso qui est née il y a 10 ans pour soutenir les malades de la sclérose en plaques. Que tu as créé, que tu as fondé. Hein. Oui, je l'ai créé avec Sophie, ma super copine, ma bichette Sophie. Mon frère était atteint de sclérose en plaques, donc on a créé l'asso pour... soutenir les malades, faire parler de la maladie qui reste vraiment très méconnue, et puis pour ouvrir un centre médicalisé dans les Pays de Savoie, ce qui a été fait en mars 2020. Donc on a une centaine d'ambassadeurs sportifs comme Damien, mais aussi on avait des gens sur la TDS, sur les courses de l'UTMB, un peu partout en France, on a des ambassadeurs qui portent nos couleurs pour montrer aux malades qu'ils ne sont pas tout seuls, et puis aussi pour sortir la maladie de l'ombre. Voilà, comme on le fait aujourd'hui, c'est des opérations de com. La sclérose en plaques, c'est 13 nouveaux malades par jour en France. Donc voilà, ce sont des gens qui méritent qu'on leur tire notre chapeau et qu'on parle d'eux. Profitons-en pour donner peut-être les références, les coordonnées de ton association, si on se saignait, aider, donner. Oui, alors c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Nous, on a une association locale dont l'argent collecté est utilisé localement. On fait beaucoup d'activités avec les malades. On aide beaucoup financièrement le centre La Maisonnée du Lac de Saint-Joriot. Et puis, on finance aussi des réunions d'information, des interventions dans les écoles. Donc, notre association, c'est pas impossible. SEP comme sclérose en plaques, AS, c'est impossible plus loin. On a une page Facebook, un compte Insta, un site internet où vous pouvez donner. Tout cela défiscalisé puisqu'on est reconnu d'intérêt général. Ok, pour les Français qui nous regardent, voilà aussi, hein, nos téléspectateurs de 8 Mont-Blanc qui vous connaissent bien. Damien, on imagine, voilà, c'est un plus sans doute de courir aussi pour cette belle association. C'est une de mes raisons principales, clairement. Ça, c'est aussi un intérêt particulier pour moi, pour mes proches, ma famille. Voilà, donc je pense à toutes ces personnes qui aimeraient être à ma place et qui aimeraient découvrir... et voir de leurs propres yeux tout ce que je vois quoi. Donc j'essaye de leur je sais que après cette expérience, si j'arrive au bout, et puis je pense que je vais arriver au bout, je vais aller à la maisonnée pour expliquer ça aux personnes, parce que je l'ai déjà fait une fois, et quand on voit le retour dans les échanges de regards, ça apporte beaucoup. On imagine, c'est sympa de courir donc pour eux, et ils courent avec toi, et bah on va te laisser repartir hein, sur ces chemins, on l'a dit, 150 km. Il en reste encore un petit peu. Et ben, on va suivre ça. Et merci à tous les deux. Merci beaucoup. Allez. Merci. Merci pour tout. On est fiers merci de toi. Hein. Allez. Voilà, c'est ça aussi, le Swisspix, la cabane, la générosité, les gens qui courent, certains pour gagner, d'autres pour courir, d'autres pour une cause. Cette ambiance-là, on le voyait aussi au début. L'international, on avait là, sans arriver à la cabane, alors dans l'ordre, un Genevois, un Valaisan, un Irlandais qui évidemment a pris sa chope de bière, et puis également un Grec. Donc je crois qu'il y a aussi un certain nombre de coureurs chinois qui se sont inscrits, qui s'inscrivaient d'ailleurs sur la 360 l'année dernière. Et puis là, ils ont pris le format XXL d'entrée. Donc beaucoup de nationalités. Tu parlais tout à l'heure de Courtenay qui s'est inscrit sur la 70, mais il y a beaucoup de nationalités. Tous les continents sont ici, sont présents sur la 660 et sur l'ensemble des courses du Swisspix.
Oui, surtout quand on commence à allonger les formats, forcément, hein, le réservoir de coureurs du pays même, même en France hein, d'ailleurs, le réservoir il s'amoindrit. Et donc, c'est de plus en plus à l'international qu'il faut aller les chercher, entre guillemets. Mais aussi, les coureurs vont chercher les courses où elles se trouvent. Des courses de ce format-là, il y en a peu dans le monde. Donc, ils se déplacent pour ça. Et il faut dire, maintenant, on a une réputation quand même que même sur la première édition, les gens, ils savent qu'ils peuvent avoir confiance, qu'ils trouveront ce dont ils ont besoin pour performer. Et ça fait aussi qu'ils se déplacent volontiers chez nous. Alors justement, le casting, parce que bon, voilà, t'ouvres ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « bah oui, c'est bon, 660, j'y vais ». Donc il y a une sélection, et c'est pas évident non plus, parce que toi, en tant qu'organisateur, t'as intérêt à avoir aussi pas mal de coureurs. D'un autre côté, tu peux pas prendre tout le monde. Cette gestion-là, cette sélection, déjà, comment elle s'opère par rapport, on imagine, au track record comment ça fonctionne? Comment vous sélectionnez? C'est intéressant comme question. En fait, il faut déjà poser les bonnes questions pour commencer. Nous, on n'a pas demandé un curriculum vitae aux coureurs parce que forcément, ils seront écrits différemment et c'est dur à les interpréter. On les a plutôt orientés vers ce qui nous intéressait. Et on leur a demandé juste en quelques questions qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait en fait dans les 3-4 dernières années et avec le temps de course. Parce que le temps de course est aussi un indicateur quand même de leur capacité à se déplacer relativement rapidement. Et en fait, par rapport à ça, après, on a vraiment trié les coureurs qui avaient été capables de cumuler un maximum de longues courses et on s'est retrouvé rapidement avec une centaine de coureurs qui avaient été capables de finir les plus grandes courses connues dans le monde et cela c'était vraiment facile à les prendre. Ensuite on a trié un peu plus des coureurs qui avaient peut-être fini qu'une très longue course. Quand je dis très long, je parle quand même de 400 km et plus si possible dans les Alpes et on a arrêté le chrono aussi et là on avait à peu près notre compte et on a élargi un petit peu plus à ceux qu'on avait vu qu'il y avait du potentiel. Il y a des gens qui ont fait des choses en off aussi hein, qui sont pas forcément dans les classements. Ouais, c'est ça, ouais, on le voit là d'ailleurs dans le, c'est intéressant ouais. Donc on est sur un format où on est plus sur des aventuriers que des ultra trailers donc il fallait aussi ouvrir la porte à ces gens là et après on a été sur les plus rapides à répondre en fait hein, sur ces 150-200 coureurs qu'on avait sélectionnés, on a été sur les plus rapides et après on s'est fait supplier donc des gens sont arrivés après en disant je savais pas, regardez moi j'ai fait ça et au début on était sur 100 coureurs hein. On s'était dit on bloquera à 100 mais c'était pas possible hein. On avait trop de pression. 150, finalement on était à 170 et on a eu quelques-uns qui n'étaient pas au départ, donc voilà, ça fait environ 150 au départ. Un trail dans le Valais, voilà, absolument. Bah, bien sûr, ils ont vu Valais, ils ont dit là on y va, on avait aussi parlé d'une édition unique, hein. Faut être bien clair qu'on ne savait pas à quel point on pourrait survivre et notre équipe pourrait survivre à cette organisation, on l'a dit, le cœur c'est les bénévoles, c'est le comité, on peut pas trop fatiguer ces gens-là, voilà, est-ce qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas vraiment encore du tout, il faudra déjà vivre cette semaine comme il faut, voir le retour des coureurs. Nous, on veut des coureurs 100% satisfaits et si on ne peut pas corriger ce qui doit peut-être l'être, pour l'instant, on n'a rien entendu. Mais si on doit corriger des choses et qu'on n'est pas capable de le faire, on n'aura pas de deuxième édition. Alors justement, l'énergie des coureurs, on va la voir parce que cette édition, cette première semaine, pour nous aussi, elle est originale. Hein. En deuxième semaine, j'allais dire comme depuis 5 ans, on aura nos camrunners professionnels, entre guillemets, qui seront là pour accompagner les différentes courses. Hein, le 360, on le rappelle, hein, départ d'Oberwald dimanche à 10h. Je cherchais juste le jour, c'est le 1er septembre. C'est le premier, c'est ça, c'est voilà, le premier, 1er septembre à 10h. Et puis, on l'a dit ensuite, la 170, hein, qui elle partira de Grande-Dixence. Du pied du barrage, comme d'habitude, jeudi, oui. Voilà, jeudi 4 septembre, c'est ça. Ensuite, on aura la 100K. On aura la 70, le marathon et le semi-marathon. On suivra tout ça avec Silvano, Silvano Gadin, notre complice qui sera ici pour vous faire vivre tout ça. Mais cette première semaine, qui était une première aussi pour nous, on voulait accompagner un petit peu cette aventure. Donc c'est pour ça qu'on a ce format où tous les soirs on fait un rendez-vous. Donc on sera de nouveau demain soir à 18h15. Alors un peu plus loin, a priori, je ne sais plus où on sera. Enfin, on aura aussi un bel endroit. À la base de vie, peut-être Saint-Germain. Ouais, c'est ça. C'est à Saint-Germain. Ouais, voilà, on sera à la base de vie. Je crois que c'était ça. Okay. Et puis, donc 18h15 demain soir. Et en fait, on a confié des smartphones à 4 trailers. Et vraiment, je les remercie. Alors, Florence, qu'on a vu tout à l'heure, justement, arriver. On a Florence Gollet. On a également Lucas Papy, qui d'ailleurs a participé, je crois, avec toi à cette configuration, à lancer ce 660, Lucas. On a également Aurélien Sanchez, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis,
Albert, ouais, c'est Samej, qui a également donc des images. Donc tous les quatre, ils nous envoient des images régulièrement. Elles sont montées par nos Hugo, voilà, qui montent ça. Et puis on vous les propose là. Voilà, c'était la journée. Et on a une petite interview aussi faite par Laurent Pellissier. Et puis on se retrouve là pour parler justement de la journée de demain. À tout de suite. Alors Lucille, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors moi je suis Lucille, je suis, on est de Toulouse, je suis la chérie d'Aurélien Sanchez qui est en train de courir là sur la 160. Voilà, je vais courir le 170 dans 10 jours. Et voilà, là je l'attends pour l'assistance qui demande aussi du travail, mais c'est qui vrai. Est vraiment cool parce que ben, on connaît pas la Suisse et c'est vraiment trop beau pour l'instant. Quoi. Quelles sont les premières impressions du paysage? Parce que toi tu le suis en van, hein, c'est juste. Ouais, moi je le suis en van justement pour pas me cramer non plus pour la semaine prochaine, mais ça me donne bien envie d'aller monter sur les sommets quand même parce que ça a l'air vraiment très très beau et j'entends que des bons échos en tout cas depuis que je le vois là, il se régale. Quoi. Donc une accompagnatrice d'un coureur de la 660 qui va courir la 170. Et tu es prête? Oui. Ok, bah on va te suivre aussi sur la 170 et on te remercie encore d'être avec nous. Merci. La vue trop stylée sur le glacier derrière, avec un lac aussi. Là, franchement, on profite au max. Et on est content d'être là. Ouais. Allez, Sébastien. On est dans la faille là, pour rejoindre le col de Sanech. Super joli. Tu dis quoi Seb? Dis, tu diras à l'orga que je reste là, quelques mois en retraite. Nous voilà dans les hauteurs. Hein. Une belle petite montée, on est un groupe des quatre dès le départ des Herborances. Et on avance bien et on a un paysage qui est quand même... qui est quand même magnifique, hein. Une belle vue sur les glaciers là-haut. Peut-être des diablerets, c'est ça? La petite diablerets, ouais. Voilà. Et là, on va, normalement, on va être dans les hauteurs. On va voir en bas. Voilà, en bas, dans le creux, ça se voit pas très bien. C'est d'Herborance. C'est les ravitaux. Donc, ceux qui sont partis, ces matins, dès la base vie, ils doivent y être. Belle journée. Bon, il fait déjà un peu chaud. Hein. Voilà, un petit lac glacier. Lac. Oh. Barrage, c'est super sympa au pied des belles montagnes, franchement c'est juste magnifique. Mais voilà, au col des Audanes, franchement la vue elle est magnifique, la montée elle a été sympa, hein, c'est vraiment vraiment super sympa. La fin elle est verticale, hein, il y a quelques échelles. Non, c'est vraiment un très beau coin. On est 2485 mètres, c'est 2885, c'est... Tu as entendu le message, hein, allô l'orga, je reste quelques mois ici, c'est fini, voilà, il bouge plus. Heureusement que nos trackers GPS ont une bonne autonomie, on pourra le surveiller. Non, mais je crois que franchement, ces images, ça veut tout dire, c'est juste magique. Donc déjà, je les remercie vraiment de nouveau, toute la bande là, tous les quatre, parce qu'à côté, ils ont un peu autre chose à faire. Ils prennent ces images, ils attendent d'avoir du réseau, ils nous les envoient sur WhatsApp. Merci vraiment à eux, vraiment, c'est génial. Mais elles sont juste magiques. Clairement, merci quand même aussi à vous, à ton équipe, hein, de pouvoir mettre ce matériel à disposition, de récupérer, de monter. Ça a l'air trop facile hein, quand on voit ça comme ça, mais il faut juste se représenter ce que c'est et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie qui existe. C'est vraiment une chance. Merci en tout cas à toute l'équipe, c'est fantastique de pouvoir offrir ça. Un plaisir pour nous, sincèrement. Transmettre cette course via les coureurs en direct à vos téléspectateurs et aux gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est une chance.
Et donc voilà, on disait, c'est vraiment beau ces images, mais demain, ça va être, demain et dans les jours qui viennent, nous dire, donc on le disait, là on est au kilomètre 160, alors à chaque fois je me trompe, pardon, on est au 145-149 ici exactement, à peu près, on est à la Cabane des Violettes, à Grand Montana, la suite un petit peu dans les heures, les jours qui viennent, pour, alors on a vu qu'il y a, il y a une trentaine de coureurs qui sont déjà passés ici, à peu près. Le reste, ils vont tous venir dormir ici, non? Oui, ça va, ici c'est prévu large, ici, ça va. Mais ensuite, le reste du parcours, tu peux nous le décrire, s'il te plaît, jusqu'à Fitch, justement. Oui, je ne sais pas si on voit avec Allez, on va voir, regarde, plateau. C'est ce qu'on va faire. On va juste tourner, voilà, pas me voir moi, mais on va essayer de voir, voilà. Allez, vas-y, c'est bon. Voilà, donc là, ici, on est pratiquement à la frontière, hein, déjà, entre le... sur la partie francophone, et on arrive dans la partie germanophone. Ok. On voit le bas de la vallée là, on peut dire, tiens, comme ça on va voir. Oui, on a Sierre. On a le bois de Finge en fait. Le grand bois qu'on voit qui traverse la vallée du Rhône, c'est le bois de Finge. Ok. Et avant le bois de Finge, grosso modo, on a la rivière qui s'appelle la Raspi. Et cette rivière qui s'appelle la Raspi, qui coule sur la rive droite, fait vraiment la frontière. Le nom des rues, quand vous êtes avant la rivière, il est marqué en français. Et quand vous êtes juste de l'autre côté de la rivière, le nom il est marqué en allemand. C'est donc là on arrive chez nos amis au Valaisan. On reconnaît aussi après les grosses antennes caractéristiques de l'Oesch. Et grosses antennes satellites, hein, qu'on voit les gros points blancs là-bas. Voilà. Et donc juste avant ici c'est l'alpage de Varennes qu'on voit avec tous ces sapins. Et ensuite quand on aura passé derrière c'est la vallée de l'Oesch-les-Bains qu'on, ici on voit pas, elle est cachée. Et quand on va remonter après en traverser cette vallée, on arrive à Albinen. C'est le prochain ravito où les premiers coureurs actuellement sont en train d'arriver. Là c'est Albinen. Ensuite on refait de nouveau un flanc de coteau à 2000 mètres d'altitude. On arrive dans les hauts de Jaitsinen, où on a un endroit qui nous accueille dont le nom personne n'arrive à le prononcer en Suisse romande, c'est Trahorito. Ok, d'accord, je comprends. Le Traho, là-bas, chez eux, c'est le foyer où on faisait le feu pour faire le fromage, en fait, sous le chaudron. D'accord. Donc voilà, le Trahorito, le Hito, c'est Hütte, c'est la cabane, le refuge. La cabane, ouais, d'accord. Voilà, donc c'est la cabane où il y a le foyer, où on fait le fromage. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps en allant discuter avec le patron. Et c'est super intéressant parce que... Tu arrives à le prononcer déjà. Oui, oui, je me suis entraîné avec eux après quelques bières. Ça passait tout seul. Donc en fait, là-bas, ce qui est intéressant, c'est que le patron, lui, vient de Grand Montana. Donc lui, il parle parfaitement français. Il a son accent vraiment de la région de Grand Montana. Sa femme, elle vient de je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud. Donc ça fait une super diversité. Il y a sa sœur qui est en cuisine. D'ailleurs, allez-y, cuisine super bien. C'est un magnifique petit endroit. Il y a 40 habitants à l'année dans le village de Jaitsinen. Redonne-nous le nom. Trahorito. Ok. Et le village de Jaitsinen, juste au-dessous, c'est un village qui a une quarantaine d'habitants. D'accord. Et quand je suis arrivé là-haut pour discuter, on a commencé à se demander s'il y avait des bénévoles. Et puis on a fait un coup de fil et pour savoir si la cabane du ski club était dispo. Il a dit oui, je vous mets ma cabane, mais la seule condition, c'est que je puisse y être bénévole. Donc on avait trouvé la cabane, on avait les bénévoles. Ouais. On a dit mais c'est pas simple. Mais oui, la cabane elle a 40 mètres et le bénévole il habite à 40 mètres de la cabane. Donc voilà, tout était trouvé. Donc voilà, on est sur Jaitsinen. Ils vont descendre ensuite Gampelsteg. Là on est sur l'entrée du tunnel du Lötschberg pour dire un petit peu aux gens. C'est le fameux tunnel qui est maintenant... pour les personnes et le ferroutage où on peut mettre sa voiture sur le train et traverser les Alpes et arriver, comme on disait avant, dans les Alpes bernoises, ouais, qui sont juste ici sur notre gauche, au sud-est. De l'autre côté, là. À l'est, nord-est. Et donc là, on franchit cette petite vallée du Lötschberg et on arrive dans la partie où on doit avoir resté beaucoup plus bas parce que là-bas, on a les districts francs dans lesquels on ne peut pas monter, mais aussi les montagnes sont très agressives. Grosso modo, vous pouvez rentrer dans les petites vallées, mais vous ne pouvez pas en ressortir par le haut. Donc ça ne fait aucun sens. Donc là, on va rester un peu à flanc de coteau assez bas sur cette pente jusqu'à arriver dans le secteur de Belle Alpe. Ouais. Ou Natters, où là on va pouvoir monter à Belle Alpe. On a un ou deux points d'eau en bas. On a même un habitant qui nous met à disposition son robinet devant la maison parce qu'il manque d'eau, il n'y a pas de jardin. Donc là on aura des points d'eau comme ça pour que les coureurs aient à boire. On monte à Belle Alpe. Là c'est absolument magnifique. On traverse le glacier de la Lech. Ouais. Malheureusement, zone interdite de nuit. Ouais. Donc on doit redescendre pour contourner la passerelle et le barrage du Gibidoum, comme il s'appelle. Et là on remonte sur un endroit qu'on a bien présenté aux gens il y a, je sais plus, 3-4 ans, 2021, Bettmeralp. Voilà, le départ, le fameux départ depuis Bettmeralp. Exactement, quand on avait raccourci un peu la course dans les années Covid. COVID. Là on arrive à Bettmeralp, on est dans le mythique Chibine. Endroit, on surplombe la base de vie de Fiesch. On va toucher juste le sommet du coin, le Bettmerhorn.
et on passe juste un petit peu plus bas. Et ensuite, on refait la descente un peu à l'est de Fiège pour descendre à la base de vie de Fiège. Et c'est là que tout le monde se regroupe et peut y rester en pension complète le temps qu'il soit là. Il y a des gens qui vont rester là en tout cas deux jours de nuit. Il y a des gens qui vont rester là peut-être même juste quelques heures avant de repartir tranquillement en direction du départ d'Oberwald pour 40 km dimanche matin. Voilà, dimanche matin à 10h, tout le monde part. Peut-être un départ un peu décalé pour les 660 par rapport aux 360. Oui, on veut vraiment faire un clin d'œil à ces coureurs de la 660. Donc l'idée, c'est de les faire partir une minute plus tôt. Ils partiront à 9h59. On leur offrira la minute. Hein. Le chrono va démarrer à 10h pour tout le monde. On va demander aux coureurs de la 360 de faire une haie d'honneur. Donc on postera les coureurs de la 660 derrière. On les laissera partir en premier. Et ensuite, on enverra les coureurs de la 360 derrière pour faire un hommage quand même à ceux qui auront déjà fait tout l'aller à pied. En fait. Allez, ça va être magnifique. Merci beaucoup, merci à vous, Julien. Merci à l'équipe. On se donne rendez-vous demain à 18h15. Donc je le rappelle, vous pouvez regarder tout ça en replay sur les réseaux, sur la chaîne YouTube de SwissPeaks. Vous pouvez regarder ça sur le site internet de swisspeaks.tv.ch. Il y a tout. Et évidemment sur 8 Mont Blanc, en France et en Suisse. Vous nous recevez sur toutes les boxes ici, sur les câbles. Je remercie d'ailleurs les câbles opérateurs à chaque fois ici, je suis surpris. Dans les hôtels, souvent en France, on reçoit mal 8 Mont Blanc. Ici, c'est diffusé un peu partout. Donc, c'est génial. Voilà, vous pouvez nous retrouver. On suivra ça et on se quitte. Allez, on va vous faire quelques petites images là. Alors, c'est un tout petit peu couvert, mais on se quitte avec ces images superbes. On dit à Grand Montana, généralement, il y a tous les 4000 autour. Et oui, ils sont là en face. Ah, et voilà. Moi, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à nos amis bavalaisans, parce qu'on a parlé du Bavalais, du Haut-Valais. Ouais. On se rencontre chaque fois quand on amène nos bénévoles bavalaisans dans le Haut-Valais que les bavalaisans ne viennent pas assez. J'ai envie de vous dire, vous étiez là pour le départ de la 660. On sait que vous serez là pour les arrivées de la 360. Venez pour les départs. Montez à Oberwald dimanche matin. Il y a le train, il y a tous les moyens pour y arriver de façon aussi respectueuse de l'environnement. Tous les coureurs, nous, on leur offre le train pour monter grâce à Régional, notre partenaire. Super. Profitez-en aussi. Venez là au départ en train et venez admirer, c'est une région fantastique et c'est magnifique. Vous pouvez suivre la course pendant la journée. Les coureurs redescendent dans la vallée plusieurs fois, à Ulriken, à Reckingen. Après, on peut passer à Kaiserstadt manger un super burger de viande d'airain. Venez découvrir ce Haut-Valais que vous connaissez pas assez. Vous y passez que pour passer la Fourca, l'Oberalp et les autres cols de la région, le Simplon ou autre. Donc, non, venez profiter du départ dimanche matin. On vous attend. Allez, ici. Je confirme, message passé. Allez, on se quitte avec ces images. Merci à Hugo Congalves, notre réalisateur. Merci, Hugo Grigrez. Merci à Florence, à Lucas, Albert et Aurélien, nos cam trailers. Salut, à demain. We'll be right back.
Goodbye calories. Hello vitamine. Focus Water, l'eau vitaminée suisse.